Regardez comment on a du mal à supporter, on ne sait même pas si là c'est peut-être dans les 32 degrés ou 100, peut-être 33 degrés. Hein? 33 degrés, regardez comment on a du mal. On veut même se dire, ah, si on peut nous envoyer le bon courant pour à nouveau avoir le froid. Pourquoi il faut qu'on aille chercher ceux qui sont dehors là? Hein? Si 33 degrés, on a du mal à supporter. Mais ceux qui attendent l'autre côté sans Jésus, ça va être comment? Alors, nous voulons ici saluer ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez été certainement invités, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe de la main pour dire je suis là avec vous et adorer Jésus? Allez, est-ce que vous pouvez le dire? Je suis avec vous dans le nom précieux de Jésus. Donc, je peux vous expliquer. Vous savez que la vision que le Seigneur nous a donnée en début d'année, c'est celle de la moisson. La vision qui consiste à aller moissonner. Et Dieu, il est celui qui a fait des dons aux hommes. Amen. Moi, je suis un pasteur. Mon appel, c'est un appel de pasteur. Amen. Amen. Donc, le pasteur, ce n'est pas, même s'il peut évangéliser, mais il n'a pas les mêmes ingrédients qu'un évangéliste. C'est pourquoi Dieu a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Il a appelé les uns, il a appelé, donc la Bible dit, il a appelé, donc il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a les enseignants. Donc, ils sont là, c'est pour le perfectionnement. Amen. Donc, le pasteur seul n'a pas la capacité de perfectionner, en fait, quelqu'un à Christ. C'est comme quelqu'un qui passe tout son temps à ne manger que du riz, du riz, du riz, du riz. Il finit par avoir quoi? Le béri-béri. Le béri-béri, hein? Voilà. Donc, il faut alterner. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est choisi pour ce programme un homme qui a un appel dans l'évangélisation. C'est un évangéliste. Amen. C'est un pasteur évangéliste. Mais ce qui prime en lui l'appel qu'il a reçu du Seigneur, c'est l'évangéliste. Amen. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis 1999, lorsque j'étais encore pasteur Angelé. Alléluia. Alors, il venait pour implanter l'église de l'Alliance chrétienne du côté de Angelé. Donc, je les avais reçus. On a passé de très bons moments avec le Seigneur. Alléluia. Alors, donc, c'est le révérend donc évangéliste, pasteur évangéliste, Landry Abraham Mandoku Opianga. Alors, il est donc président du ministère Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Il est conseiller technique à la direction nationale d'évangélisation et mission de l'église de l'Alliance chrétienne des missionnaires du Gabon. Il est marié à sa merveilleuse épouse Blanche Neige et père d'une nombreuse famille, donc comme un bon africain, à l'instar d'Abraham. Amen. Amen. Voilà. Donc vous savez qu'Abraham a fait. Il dit à l'instar d'Abraham. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, sans vous arriver à se lever, on se lève, on reçoit l'homme de Dieu. Qui pendant ces 4 jours, il sera avec nous. Donc aujourd'hui, c'est l'introduction. Merci de m'acclamer, maintenant nous acclamons l'homme de Dieu. Amen. Je vous ai envoyé. Amen.
Pendant 4 jours, donc aujourd'hui c'est une production. Ensuite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est là, c'est pour manger un autre type de nourriture. Amen. Amen. Alors, voilà, sans plus tarder, donc je veux te remettre au micro, homme de Dieu. Nous sommes là. Alors, nourris-nous maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ce jour. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être au milieu de vous dans le cadre de ce culte de célébration de sa gloire, de célébration de tous ses bienfaits envers nous. Et je pense que le plus grand bienfait, au-delà de tout, c'est ce salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous bénissons Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde d'être dans cette fraternité ou communion fraternelle en Christ. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur, le révérend pasteur Gisèle Ménani et son épouse qui m'introduisent au milieu de vous en ce jour. Et dans la suite, c'est un homme de Dieu que nous avons connu en effet il y a plusieurs années en arrière, précisément en 1999. Nous étions une équipe missionnaire, à l'Alliance chrétienne, envoyée à travers le pays dans un projet d'évangélisation et d'implantation d'église. Et nous étions arrivés dans le Moyen-Orient, précisément en Jolet. Nous les avons trouvés déjà en course au compte de l'église de Béthanie. Et comme il a bien dit, nous avions passé vraiment le bon moment. Nous avons été pour nous vraiment une source d'encouragement parce que c'était la première fois que nous allions dans cette ville. Que, franchement, dans cette mission, nous allions là où nous ne connaissions même pas. Nous étions comme Abraham. Nous étions allés vraiment à la découverte du Gabon profond. Et Dieu a mis sur notre chemin ces merveilleux serviteurs qui nous ont bien accueillis. Et aujourd'hui, je vois le pouvoir des connexions. Parce que des années plus tard, aujourd'hui, nous sommes là ensemble. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est ça, Dieu. Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Merci, maman. Merci à tout le collège qui est responsable de nous avoir accueillis, de nous avoir offert l'hospitalité, pour que nous soyons au lieu de vous en ce jour, pour célébrer le Seigneur, mais aussi pour justement partager le peu qu'il a mis dans notre cœur en ce qui concerne l'évangélisation et la mission, parce que c'est là notre raison d'être ici-bas. Dites amen. Amen. Voilà, donc, pour ce qui me concerne, la présentation a déjà été faite. On ne va pas aller dans les détails à propos du temps, seulement que nous sommes dans un schéma de ministère d'évangélisation itinérant. Je suis à l'Alliance Chrétienne, je suis pasteur, mais j'ai une fonction qui fait que je ne suis plus vraiment pasteur d'une église locale depuis 2009. En 2011, nous avons sollicité l'église qu'on nous libère pour un ministère d'évangélisation qui travaillait avec toutes les églises. Et l'Alliance chrétienne a accédé à nos demandes, mon épouse et moi, et nous a libérés officiellement, même si cette libération ne signifiait pas le fait de nous quitter complètement l'Alliance chrétienne. C'est pourquoi nos autorités nous ont confié cette fonction, ce rôle de conseiller technique à la direction d'évangélisation et mission que nous avions dirigé pendant 9 ans entre 2002 et 2011. Amen. Amen. Donc nous sommes dans l'évangélisation à temps plein. Nous le faisons par la foi, parce que vous, l'Alliance chrétienne, ne paye pas un salaire pour ça, puisque c'est un ministère inter-église. Donc nous le ferons par la foi depuis 2011. Et chemin faisant, Dieu nous a aussi mis à cœur, tout en évangélisant le Gabon et les autres nations,
de faire l'accompagnement des jeunes évangélistes pour susciter une nouvelle génération. Et parmi ces évangélistes, nous avons ces jeunes qui m'accompagnent ce matin. Donc Esther, Esther, voilà. Nous sommes dans la même église locale, mais il y a plusieurs années en arrière, elle a pu parler de nos programmes de formation des jeunes dans la mission. Et à partir de ce moment, elle s'est intéressée au ministère et elle a intégré. Et aujourd'hui, elle est vraiment l'une des personnes qui nous aide à faire avancer cette course. Et c'est elle qui, pour la première fois, est arrivée ici pour présenter le ministère au révérend. Et puis voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour Esther. Speed, lui, c'est un fils. Il est dans ma maison. Speed, mettez en compte vous. Donc, comme j'ai dit dans ma présentation que je suis père d'une nombreuse famille comme Abraham, c'est pas au sens littéral. Voilà. Mon épouse et moi, nous avons fait juste un enfant d'enfants depuis que nous sommes mariés. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Plus précis, donc on a pas encore d'enfants ensemble. J'ai eu un enfant au mariage avant d'accepter Jésus. Il a 5 ans. Dieu nous a donné des enfants spirituels. Amen. 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 Parce que tous les enfants d'Abraham étaient des enfants par rapport à Jésus, n'est-ce pas? Yes. Voilà. C'est pourquoi moi, c'est l'envie Abraham. Donc, bon, il y a ceux qui aiment bien le prophétique, c'est ça, un peu le prophétique en ce qui nous concerne. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'enfants que nous engendrons aussi. De par notre ministère, que ce soit au Gabon, que ce soit à l'extérieur, et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier. Merci. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je souris? Parce que partout où je passe, j'ai toujours un problème avec les micros, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Esther, tu as déjà remarqué ça, non? Voilà. Quand j'arrive quelque part, on peut toujours bien commencer avec un micro, mais on va toujours le changer. D'accord. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous accordes le privilège de t'appartenir. Merci Seigneur notre Dieu pour la communion fraternelle que nous exprimons en ce jour. Merci Seigneur notre Dieu pour tes serviteurs qui vont être introduits dans cette bergerie. Béni sois-tu pour ton œuvre, témoignée par la présence de toutes ces personnes. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as utilisé tes serviteurs depuis des années pour établir cette œuvre dans cet environnement. Que tu les bénisses. Que tu les bénisses aussi, Seigneur, pour la sensibilité. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour cette marque de reconnaissance des noms que tu as conféré à ton Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère qui consiste à gagner des âmes et pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour tous les moments que nous aurons ensemble au cours de la semaine. Éternel, merci d'être avec nous. Que tu bénisses quelques instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, il faut aimer le pasteur Landy. Il dit Amen. Amen. Même si le pasteur l'en dit parfois en parlant, il va dire des choses qui peut-être ne vont pas t'arranger, ou il va te faire des choses qui vont un peu te gêner, mais là n'est pas mon objectif. C'est simplement de nous aider à comprendre le plan de Dieu pour son Église, et particulièrement pour l'Église locale. C'est-à-dire le thème que nous allons aborder ce matin a un lien avec le plan de Dieu pour son Église et pour cette Église en particulier.
Et c'est très important que toi, en tant que chrétien, en venant dans un tel environnement, que tu ne viennes pas que pour ce qui t'intéresse, mais que tu comprennes la raison d'être de l'Église et aussi ta raison d'être. Que tu comprennes le plan de Dieu pour l'Église locale et son plan particulier pour toi. Très important. Un plan est une représentation, un schéma, un dessin qui nous oriente, quel que soit le domaine. Je vais parler ce matin sur la base d'un plan, d'un message. Dans chaque domaine, il y a toujours des plans. Un pilote ne peut aller nulle part sans un plan de vol. Mais j'aime bien l'image de la construction. Un constructeur a besoin d'un plan, qu'il soit schématisé sur un papier ou dans sa pensée, pour pouvoir construire sa maison. Donc, le plan va l'orienter et le plan va lui donner d'avance une idée de ce que sera sa maison avant même qu'il ait commencé à la construire. C'est pourquoi en face de moi, j'ai le plan, j'ai la représentation de ce que sera votre futur temple. C'est ça, non? D'accord. Beaucoup viennent dans les églises, mais beaucoup ignorent tout le plan de Dieu pour l'église locale. On vient pour les mariages, on vient pour toutes ces choses que nous connaissons. C'est tout fait, non? C'est Dieu qui a tout fait pour notre bien-être. Mais Dieu veut que nous allions au-delà de ça. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume, n'est-ce pas? Le royaume. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc, comprends bien ce que nous allons voir ou ce que Dieu va nous communiquer à partir de ce matin et la semaine prochaine à partir de jeudi. Je souhaite que vous soyez aussi nombreux, surtout à partir du jeudi. Parce que dans nos églises, beaucoup sont devenus sélectifs. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas tout justement le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'église et le plan de Dieu pour leur vie. Rien n'est à négliger. Je n'ai qu'une heure de temps. Mais rien n'est à négliger si tu comprends ta raison d'être. Si tu comprends la raison d'être de l'église. Cette église n'a pas été établie dans ce quartier pour rien. Ce n'est pas un club où on vient, une association, puisque même nous, même en tant qu'église, aujourd'hui, on utilise la terminologie association. C'est ça, non? Donc, ce n'est pas une association où on vient, on a des intérêts communs, et puis non. Le seul intérêt ici, là, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. C'est l'intérêt de Christ. Et donc, cette église existe pour les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Et tu dois harmoniser tes pensées. Tu dois harmoniser tes préoccupations au plan de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. Maintenant, le reste, là, il va te l'accorder. Il va te l'accorder au temps convenable. Comme Abraham. Abraham n'a pas tout reçu au début. Il a fallu qu'il entre dans le plan de Dieu. Qu'il commence à cheminer avec Dieu en suivant ce plan. Pour que progressivement, il accède à ce que Dieu avait prévu pour lui. Comme pour dire que toutes les bénédictions ne sont pas liées à la quantité d'offrandes que tu pourrais venir me lire. Amen. Non, c'est lié au plan de Dieu. Amen. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, n'est-ce pas? Pour un pays que je vais te montrer, sache que si tu obéis à mon plan, alors je te bénirai, Abraham. N'est-ce pas, non? Je te bénirai. Et beaucoup viennent dans les églises, ils cherchent des choses, des bénédictions, des offrandes sacrificielles. Après, un temps, les gens sont frustrés dans les églises. Pourquoi? Parce que toutes ces offrandes n'ont rien voulu. Mais si toutes ces offrandes ne s'inscrivent pas dans le contexte du plan de Dieu pour ta vie, là, elles sont inutiles. Vous comprenez? Ou bien j'exagère? Non. C'est comme ça, non? Oui. Mais Seigneur, pourquoi j'ai fait telle offrande, j'ai fait telle chose? Non, mais tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Alors, combien d'entre vous êtes de ce quartier? Mettez-vous.
s'il vous plaît. Tous ceux qui sont de ce quartier. On va devoir commencer par là. D'accord. Merci. Il y a peut-être quelques instants. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qui sont ceux qui ne sont pas de ce quartier? Mettez-vous debout aussi. Non, mettez-vous debout. Ça, c'est moi qui suis l'enseignant de ma langue. Amen. Voilà. Amen. D'accord. Donc, vous êtes la majorité qui viennent d'autres quartiers. Merci beaucoup pour votre obéissance. Donc, vous voyez, on a en face un très grand défi. On n'est pas encore entré dans le séminaire, mais je voudrais simplement vous aider à constater que vraiment il faut qu'on corrige la tendance. Sinon, cette église ne sera pas une église vraiment stable. Parce qu'elle est dans le quartier. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas quitter notre quartier pour venir ici, non. Parce qu'on va parler d'évangélisation. Et cette église existe ici pour justement faire en sorte que tous ceux qui sont autour entrent dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Pour que cette église soit majoritairement composée de ceux qui sont dans le quartier. Et c'est ce qui va assurer la pérennité de cette église. Parce qu'il semble que ce qui est en perspective, c'est que ce temple-là, c'est ici, hein? C'est à Kanda. Ah, c'est à Kanda. Maintenant, quand le projet sera achevé, on vous dit que ceux qui sont d'ici aillent aussi à Kanda, c'est ça? Non. Hein? Oui, ceux qui disent oui. Oui. Il y a ceux qui disent non. Bon, moi, je parle comme ça, ne soyez pas fâchés. Hein? D'accord. Mais pour ceux qui viennent à l'extérieur, vous connaissez toutes les gymnastiques que vous faites pour venir jusqu'ici, n'est-ce pas? Amen. Et parfois même en semaine, c'est pas facile parce qu'il y a des professionnels. Parfois, je ne suis pas avec vous, mais je suis aussi un chrétien. Quand il s'agit de parcourir une distance, moi je n'habite pas ici, j'habite à Ovendo, à Oungou. Et c'est pas bon de route. Donc j'ai dépensé en carburant pour venir ici. Donc, pour dire que pour la majorité qui est à l'extérieur, nous avons un grand travail à faire. Parce que cette église devra être composée majoritairement de ceux qui sont ici, pour qu'en partant, vous laissiez aussi une église dans ce quartier, n'est-ce pas? Parce que cette église, j'ai bien lu que c'est le centre missionnaire. Je ne le dis pas pour vous choquer, n'est-ce pas? Mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'églises qui ont toutes sortes de noms, mais sur les pancartes. Vous comprenez? Mission mondiale d'évangélisation. Cependant, depuis 20 ans, cette église est dans un quartier de Libreville. Il y a une incohérence, n'est-ce pas? Amen. Quand on dit mission mondiale, c'est-à-dire que, en fait, c'est une vision qu'on exprime, n'est-ce pas? Oui. Et progressivement, on a commencé quelque part, on devra aller, hein, n'est-ce pas? Amen. Mais amen. Avant d'aller dans le monde, commençons d'abord par Jérusalem. Amen. Mais il y a des églises qui n'ont même pas d'autres églises dans d'autres quartiers de Libreville. C'est un problème. Donc, vous ne devez pas perpétuer toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Amen. 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 Maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'était juste pour préparer un peu nos cœurs. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 1 à 10. C'est vrai? La focalisation a été faite sur le verset 9, mais pour notre meilleure compréhension, nous allons lire du verset 1 au verset 10. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et on va lire la parole de Dieu? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche
appelé Zachée, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous lui murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée s'étendant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le droit dû. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Amen. Merci. Donc, sur cette base, il m'a été demandé de nous entretenir sur le thème intitulé « La puissance du salut dans une famille et dans une nation ». Alléluia. La puissance du salut dans une famille et dans une nation. Vous pourrez aussi prendre Actes chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour une compréhension de nos thèmes du jour, il est important que nous définissions d'abord certains mots de notre thème. Je pourrais aller consulter le dictionnaire. Il va te donner toutes sortes de définitions, notamment des synonymes, pour t'aider à comprendre le mot puissance. Et en consultant le dictionnaire, j'ai compris que la puissance peut aussi dire efficacité, pouvoir, force de quelque chose, de quelqu'un. C'est aussi le caractère de ce qui produit de grands effets. Non, excusez-moi. Caractère de ce qui produit de grands effets. Et comme on parle de puissance, nous comprenons que une puissance se mesure ou se reconnaît par les effets qu'elle produit. Par exemple, si nous avons le ventilateur qui tourne, les climatiseurs qui marchent, la lumière, ce sont les effets du courant ou de la puissance du courant électrique. S'il n'y avait pas ça, alors cette puissance ne serait pas vraiment puissance. Et le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort. Tout à l'heure, le pasteur m'a raconté une situation par rapport, je pense, avec une sœur, bien fait, hein, une sœur, voilà, qui était dans son véhicule et qui a été butée par un camion. Et gloire soit rendue à Dieu, elle et les enfants ont été préservés. Donc, c'est une image du salut. Elle a échappé, ou ils ont échappé à la mort. Le salut, c'est aussi le fait d'échapper à la damnation, perdition éternelle. Jean 3,16 nous dit, dans le contexte biblique, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il échappe tout justement à cette damnation, à cette perdition éternelle.